Salut mes chers gamers, ici Yorkfield. Ouais, je m'appelle Yorkfield dorénavant. Aujourd'hui, on est de retour pour la suite de Rayman.exe, ou plus connu sous le nom de The Spooky Remansion. Là, on est de retour pour faire le deuxième opus. Si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, j'avais rage-quit à tel point le premier opus était compliqué. Apparemment, Swag, il m'a dit que le deuxième opus est moins dur que le premier. Et que le but est le même, donc récupérer les petites bouboules comme dans Pac-Man. J'espère vraiment que je vais pas rage-quit ou quoi dans cette vidéo. J'espère surtout que ça va pas être un jeu plus dur que Baldi, comme dans la dernière vidéo. Donc j'espère que vous êtes prêts pour cette trilogie de jeux. Et apparemment c'est devenu une quadrilogie, parce que il y a pas longtemps, il y a eu The Return to Remansion ou quelque chose comme ça. C'est Swag qui m'en a parlé. Ça aussi on va y jouer, vous inquiétez pas. Pour que vous voyez beaucoup de vidéos de ce genre, mettez la barre de like et aussi restez abonné à cette chaîne-là et à la chaîne secondaire en anglais. Même si vous parlez pas anglais, ça va me soutenir. Sinon, Rayman Exe va vous réveiller pendant que vous dormez et va vous manger. Ok les gars, donc j'ai lancé le jeu. Pour que le jeu soit en plein écran entre guillemets, il faut que vous allez dans les options, il faut que vous fassiez x4 là. Sauf que là, bah c'est toujours pas en plein écran. Mais ça suffit normalement. Un an est passé depuis que je me suis échappé de cet endroit. Les cauchemars sont de retour. Dans ces rêves, je cherchais quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Je dois y retourner. Je dois terminer. Je dois terminer ceci une bonne fois pour toutes. Ok, donc on est. Oula. Ah oui, c'est vrai. Fallait que je me mette en QWERTY. Donc je sais pas ce que c'est. Find door. Ok. Donc trouver la porte. C'est juste devant. Alors c'est quoi pour l'utiliser? C'est quoi pour utiliser la porte? C'est bon, j'ai trouvé la porte. Hein. Ça y est, j'ai trouvé la solution. En fait, regardez, j'étais vraiment con. J'étais aveugle. Il y avait juste un truc juste là, vous voyez? Juste là. J'ai vu un gameplay de Doflamingo pour voir ça. Donc Doflamingo, je te remercie beaucoup de m'avoir aidé. Moi, quand je sais pas s'il faut faire dans un jeu, moi je regarde les solutions en ligne. Je vais pas me casser la tête. Donc. Oulas. Wesh. Oh non, les musiques du premier opus reviennent. Ne me dis pas que ce sont les. Ah non, ce sont les petites bouboules qu'il faut collecter. Oh non! Oh mon dieu! Il est revenu, Rayman. Il est de retour. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je sens que je vais me faire avoir un moment ou un autre. Et que je vais me prendre un screamer par cet enculé qui est retour. Comme je l'ai dit, Rayman n'est pas un enculé. C'est juste que dans ce jeu, c'est un enculé. Dans ces jeux-là, parce que il va gâcher des enfances, Rayman, là. Oh non. Oh non, il me suit. Oh mon dieu! Tu n'as pas pu trouver ce que tu cherchais. Bah, réessayer. Ah! Ah, bah, il y a beaucoup moins de petites bouboules à récupérer cette fois. Il y en a 15 environ. J'ai regardé là sur l'espèce de petit téléphone. Attendez, je vais me mettre là pour voir ce que ça fait. Ah! Trop bien! C'est une petite cachette! Oh! C'est excellent! Il est où cet enfoiré? Il est pas là, ok. Par contre, je pense que vous entendez mon PC portable. Il est en train de faire un bruit de malade. Ok, plus que 10, les gars. Par contre, il faut aussi que je retrouve. Oh non, 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 non. Oh l'enculé. Je vais me cacher dès que je le vois. Faut juste que je sais. Elle se trouve où la cachette? Je l'ai vu. Vous avez vu les gars? Si vous l'avez pas vu, vous êtes vraiment aveugle. Voilà. Contrôle pour se baisser. Shift pour courir apparemment. Et heureusement qu'il y a cette cachette. Hein. S'il n'y avait pas cette cachette, j'aurais peut-être pu rage-quitter encore plusieurs fois, comme dans le premier. Je l'entends pas, tant mieux. Bon. Vite. Ah, mais en fait, je vais utiliser Shift pour courir. Oh mon dieu. Je l'entends. Je l'entends très bien, même. Mais. Wesh, non! Mais ta mère! Ah, ok, une deuxième cachette ici. Mais c'est un cul-de-sac. Mais bon, tant que c'est une cachette, c'est ça qui importe. C'est que c'est une cachette.
tente le risque. Je tente pas le risque, je me cache ici. Je tente pas le risque. Des fois, j'ai tellement peur que je sais même pas quoi dire. J'arrive même pas à prononcer mes mots, les gars. Bon, c'est quoi? Je vais courir dès que je vois. Oh non, je l'entends très bien. Oh putain. Elle est où la cachette? Elle est là. Vite! Putain, cet enculé. Je suis à 7. 7 restants. Donc on a fait la moitié du chemin, les gars. Déjà, c'est mieux que de récupérer 100 petites bouboules. Si vous en rappelez, dans le premier, il fallait récupérer 100 petites bouboules pour, échapper de cet endroit. Là, déjà, 7, c'est beaucoup plus simple. Enfin, je l'espère. Oh non, cet enculé, elle est là. Mais nique ta mère! Encore une fois, je m'excuse hein, si je parle pas beaucoup. C'est que je suis tellement concentré pour pas me faire voir par cet enculé, vous voyez. J'ai intérêt à pas traîner. Ta mère! Je sens qu'il va m'avoir. Oh non. 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 Ne viens pas vers moi, je t'en prie. Ne viens pas vers moi. Non. Non, il venait vers moi en fait. Mais nique ta mère la p***. J'ai le cœur qui bat fort. Je pense que vous aussi. Je pense que vous aussi, vous espérez que je vais pas me faire choper par ce bâtard, vous voyez. En fait, il est pire que Baldi. Il est pire que Baldi, ce mec. Le Rayman sans nez, il est pire que Baldi. Je peux vous garantir, les gars. Oh, la cachette de fou. Oh, il en reste 5, les gars. On peut le faire. Je l'espère, en tout cas. On peut le faire. Oh non, je me cache. Je l'entends. Il était quelque part ici. Vous avez entendu? Parce que si vous avez pas entendu ces bruits de pas, vous êtes sourd. Plus que 4. Ok. Tu peux le faire, Victor. Allez, tu peux le faire. Allez, allez. Oh, j'étais à deux doigts de me faire avoir, je pense, les gars. Mais les gars, c'est un jeu stressant de ouf. Oh non. Il arrive. Il arrive. Non. Cache-toi. Voilà. Oh, le pro. Là, je suis un BG, les gars. Là, je suis un BG. Putain, ça fait 15 minutes que je filme. C'est déjà le bordel, quoi. En fait, dès que tu sors de ta cachette, il te suit en permanence. Il fait comme Baldi, comme dans le premier opus. Non mais c'est n'importe quoi. Oh là là. Oh là 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 là. Oh putain, merde, frère. Frère. Je vais juste tenter un truc de ouf. Ouais, je sais même plus où je suis. En fait, j'étais revenu exactement où j'étais. Mais je vais tenter un truc de ouf. Plus qu'une. J'ai pas intérêt à me faire avoir. Cache-toi. Voilà. Plus qu'une, les gars. Dès qu'on l'a fait, on peut normalement passer au niveau suivant. J'ai besoin de déstresser, les gars. J'ai besoin de déstresser. Ta mère! Putain, j'étais à deux doigts de réussir. Ce fils de pute, il m'a chauffé. Putain, j'ai dit, il m'a chauffé à la place de dire, il m'a chopé. Alors voilà ce qui se passe quand on est énervé. On ne sait pas quoi dire. Oh non, non, ta mère la pute, tu me suis pas, tu me suis pas, je me cache, voilà. Attends, il disparaît ou quoi quand je me cache? Je pense que oui, en fait. Mais dès que tu sors, brah, il réapparaît. Oh, je l'entendais très bien, il a failli
C'est pas bon signe. Oh non, c'était une impasse. Non mais qu'est-ce que tu fous? Moi je n'avais rien ou c'était Rayman? Non, je pense que c'était Rayman. Ah, on a récupéré tout. Find the key, trouver la clé. Oh mon dieu. Oh mon dieu. On a tout fait. On a tout rush en fait. On a rush. On a tout pris avant que Rayman il nous chope. Je pense que vous l'avez vu. Si vous ralentissez la vidéo, je pense que vous verrez. Il était juste à ma droite. Bon. On tente le risque. Allez, 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 allez. Wesh! Oh, wesh, j'étais à deux doigts de m'avoir! J'ai réussi! Bon, prochain niveau. Prochain niveau, les gars. Il est de retour. Rayman, il est de retour. Il y a des cachettes, j'espère. Parce que s'il n'y en a pas. Ah oui, il y en a. Ouf, tant mieux. Par contre, c'est quoi ces boîtes là? What the fuck, frère? Oula, non, j'aime pas ces bruits là. Je n'aime pas du tout ces bruits. Je n'aime pas du tout ces bruits. Ah, je peux même pas sauter. Tant pis. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Holy shit, man. Holy shit. Wesh, y'a Globox. Salut Globox. L'ami de Rayman. Putain, il m'a fait peur ce connard. Ok, tant mieux, on recommence pas depuis le début. On recommence juste le niveau. Au moins, c'est mieux ça. Ah bah tiens, il y en a une juste à côté de la cachette. Vite, faut que je me cache. Vite, 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 vite. Cache-toi. Ok, il nous reste 5. Il nous en reste 5, les gars. Mais par contre, on n'a pas la map. On a juste un espèce de radar. Si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que ça se voit en plus. C'est une sorte de radar. Ah, allez, une cachette. Une cachette. Non. C'est quoi cette merde là? Je crois que c'était un lums. Cachette, voilà. Voilà. En plus, il y en a un juste là. Tant mieux. Et c'est la dernière. Et j'ai trouvé la clé. Ok, il faut juste aller à la porte maintenant. On espère que je vais pas me faire avoir par ce connard. Eh les gars, j'ai remarqué que là c'était plus facile. Enfin, le niveau en tout cas. Ok, il faut juste trouver la porte. Ok, il faut rush. Il faut rush les gars. Putain, j'étais à deux doigts de réussir là. Et il m'a eu ce connard. Putain, nique ta mère. Nique bien ta mère. Putain, c'est pas pour rien que t'as pas de nez. C'est juste un jeu de n'importe quoi. C'est encore un jeu fait pour les rois du jeu vidéo. Oh non, il est là. Il est là ce connard. Il est là ce connard. Voilà, c'était prévisible, putain. Juste, elle est où cette foutue porte? Parce que tout à l'heure, il me disait de trouver la porte. Je savais même pas où c'était. J'étais en train de rush comme un con. Oh non, on peut pas passer. On peut pas passer. Oh non, il était juste devant moi. Putain. Ah, vite, une cachette. Oh, oh, c'était chaud, les gars, faites-moi ça. Oh. J'ai pas intérêt à me faire avoir, là. J'ai pas intérêt à me faire avoir. Si je me fais avoir, c'est que je suis vraiment un con. Je suis en stress. Je suis en stress plus que l'autre opus. Ta mère la pute. Plus que 4 les gars. Plus que 4.
J'espère qu'on pourra le faire. Hein. J'espère qu'on va trouver la clé et qu'on va aller à la porte. Hein. Nique ta race, voilà. Ah, mais en fait, c'est un chemin en boucle, ça. C'est un chemin en boucle. Ta mère, la chienne! Et si j'arrive pas à battre ce niveau, je suis désolé, hein, je rage quitte encore. Parce que moi, je suis pas quelqu'un de patient. Tu vois? Je suis pas du tout quelqu'un de patient, moi. Très, très, très impatient dans la vie. Et si je perds comme ça, force à force, en plus, à un de mes personnages favoris, Rayman, du coup, qui fait l'enculé, c'est inacceptable, quoi. Parce que Rayman, c'est censé bercer notre enfance, pas la gâcher. Oh putain, il est là, en plus. Il est là. Vite, cache-toi. Cache-toi comme une tapette. Cache-toi. Cache-toi. Voilà. Plus que 5. Oh non, il vient. Il va venir. Il veut ma peau. Il veut ma peau. Ah bah en fait, non, il disparaît pas. Il est toujours là. Ok, plus qu'une. Plus qu'une, les gars. Plus qu'une. Je parle pas fort, hein. Je suis désolé. Au plus, sinon, la dernière vidéo, j'ai pas parlé fort. Parce que j'avais peur. Et t'es où cette clé? Ah merde. La porte en fait c'était là. Ça y est, je l'ai vue. Elle est là. J'ai pas intérêt à me faire avoir. Parce que là, si je me fais avoir, je rage quitte. Si je me fais avoir là, je rage quitte. Ça fait 27 minutes que je filme. Bon, allez, j'en ai marre.